voudrais vous inviter à lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 18. Évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Et cette lecture introduira une méditation qui entre dans le cadre de ce que nous avons déjà vu sur la prière. La persévérance dans la prière et la hardiesse dans la prière. Et ce matin, nous allons ensemble lire ce texte dans Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Deux hommes montèrent au temple. C'est ainsi que le Seigneur Jésus introduit cette parabole. Deux hommes montent au temple. Le temple, ce lieu que Dieu avait donné à Israël pour servir de rencontre, de lieu de rencontre avec l'homme. C'est là que le juif pouvait rencontrer son Dieu, pouvait lui apporter ses offrandes, pouvait aussi lui parler de ses péchés. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 9, Dieu s'engage, lors de la dédicace du temple par Salomon, à être là, présent, dans cette maison qui vient d'être construite pour lui. 1 Rois, chapitre 9, verset 3. L'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâti, pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » L'endroit, le lieu sur lequel se posait en permanence le regard de Dieu, l'endroit où se trouvait le cœur de Dieu, où l'on pouvait rencontrer Dieu, car notre Dieu accepte d'être rencontré. Notre Dieu n'est pas un Dieu distant, un Dieu qui se dérobe, un Dieu qui se tait. Notre Dieu veut être présent, il peut être rencontré, on peut le connaître. Dans l'Ancien Testament, ce lieu de rencontre, le lieu de rencontre privilégié, était le temple à Jérusalem. Le temple avec devant l'autel où l'on pouvait offrir des sacrifices qui permettraient justement cette communion avec le Seigneur. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de lieu privilégié. Le Seigneur Jésus a dit que Dieu est esprit et que nous pouvons, que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a donc plus un lieu où réside son nom. Un lieu qui est particulièrement l'objet de son affection, ou qui est sous son regard. Je pourrais dire que, au contraire, il y a là plutôt un corps qui est l'Église. C'est sur l'Église que repose le regard du Seigneur. C'est vers l'Église que se porte le cœur du Seigneur. Nous pouvons le rencontrer. Nous pouvons le rencontrer ici, nous pouvons le rencontrer ailleurs. Nous pouvons le rencontrer dans la solitude, dans la montagne, ou au bord de la mer, nous pouvons le rencontrer partout. Dieu est esprit. Et si nous l'approchons, si notre démarche est spirituelle,
nous pouvons rencontrer Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait un temple, il y avait un lieu qui était désigné, qui était séparé pour que l'homme puisse rencontrer Dieu. Et cela répondait à un besoin. Car nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons trouver notre apaisement, nous ne pouvons trouver notre paix, notre plénitude que dans la communion avec Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu et nous avons besoin de parler à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Ancienne Alliance, nous trouvons tant de manifestations de l'amour qu'éprouvait le croyant pour le temple, ou la joie qu'il ressentait lorsqu'il s'approchait du temple. Par exemple, le psaume 122, verset 1er. « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». La joie dans la perspective de rencontrer Dieu. La joie dans la pensée d'être bientôt dans le lieu où se trouvaient tous les autres hommes qui voulaient rencontrer Dieu. Est-ce que ce matin, en nous rendant dans notre salle ici, en arrivant jusqu'ici, notre cœur était dans la joie? Est-ce que nous nous sommes réjouis à la pensée de nous retrouver ensemble ce matin à quelques-uns qui aiment le Seigneur, loin du bruit, loin de l'agitation de la ville, ensemble pour adorer, ensemble pour rencontrer, ensemble pour jouir de la communion? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Est-ce que la joie nous a portés jusqu'ici ce matin? Est-ce qu'elle habite encore en nous en cet instant? Est-ce que nous sommes maintenant dans la joie? Dans la joie de rencontrer le Seigneur. Et nous le rencontrons si nous sommes attentifs à sa parole. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Deux hommes montaient au temple. L'un des deux n'éprouvait peut-être pas beaucoup de joie. C'était le pharisien. C'était un habitué. Il connaissait bien le chemin qui montait au temple. Il connaissait chaque coin de rue, il connaissait chaque marche, il connaissait chaque boutique tout au long de ces ruelles étroites de Jérusalem. Et c'est ainsi qu'il montait, peut-être chaque jour au temple. Il était un habitué, il y venait souvent. L'habitude, quel danger! Tel danger pour la vie spirituelle. Quand nous avons l'habitude, quand nous faisons quelque chose par habitude, l'habitude tue l'émerveillement. L'habitude enlève la joie. L'habitude est ennemie de l'enthousiasme. Là où il y a l'habitude, il n'y a plus d'émerveillement. On a tellement l'habitude de ceci ou de cela que plus rien n'étonne. On est blasé. On fait quelque chose par habitude. Et il peut nous arriver de prendre l'habitude de nous retrouver chaque dimanche matin ici. On y vient par habitude. Ce ne serait pas dimanche, ce ne serait pas vraiment normal si nous n'étions pas là 1h30 le dimanche matin. C'est une habitude. On peut aussi prendre l'habitude de la prière. La prière le matin au réveil, la prière avant chaque repas, la prière le soir avant de s'endormir. Ça fait partie, on dit l'habitude est une deuxième nature, et bien ça fait partie de cette deuxième nature. Nous avons des habitudes religieuses, des habitudes de prière, des habitudes de fréquentation, des habitudes, celle-là est bien plus dangereuse encore, l'habitude de participer au repas du Seigneur. L'habitude de participer au repas du Seigneur. Comme c'est dangereux cela. Certaines églises, pour éviter l'habitude, ne partagent pas le repas du Seigneur chaque dimanche matin et réservent cela pour les grandes occasions ou pour une fois par mois. Mais ce n'est pas cela la solution. L'habitude de partager le repas du Seigneur est dangereuse. Est dangereuse pour notre vie spirituelle parce que nous ne discernons plus le corps du Seigneur. Nous ne discernons plus ce que cela signifie vraiment et nous prenons ce repas en jugement. Et cela peut avoir des répercussions sur notre vie spirituelle d'abord, mais aussi sur notre vie physique, sur notre santé, sur notre
équilibre psychique quand nous prenons le repas du Seigneur par habitude, quand nous ne discernons plus la présence du Seigneur au moment où nous rompons le pain, au moment où nous partageons la coupe. L'habitude. L'habitude, eh bien, comment savoir si nous prenons ce repas du Seigneur par habitude quand il ne se passe rien pendant le repas du Seigneur entre le Seigneur et moi? Quand il n'y a plus d'enthousiasme, quand il n'y a pas de joie, quand il n'y a pas une plénitude d'amour, quand après on est comme avant, alors nous sommes en danger de faire certaines choses par habitude. N'oublions jamais que Dieu n'est pas une idée. Dieu est une personne. Et chaque rencontre avec une personne nous marque, est une découverte, est un enrichissement. Même s'il s'agit de personnes que nous connaissons très bien, même s'il s'agit de notre compagne ou s'il s'agit de nos enfants, n'avez-vous jamais été émerveillé de découvrir tout à coup quelque chose chez votre compagne ou chez votre mari? Après 20 ans de mariage, on découvre tout à coup quelque chose. Ou on découvre tout à coup quelque chose chez nos enfants que nous connaissons bien. Tiens, ça fait plaisir. Un émerveillement. C'est une rencontre. Une rencontre avec une personne. Et chaque rencontre réelle, chaque rencontre authentique avec une personne est source d'enrichissement. Certaines rencontres avec des êtres d'exception peuvent bouleverser notre vie. Nous nous souvenons peut-être que dans notre vie, nous avons eu l'occasion de rencontrer peut-être seulement pendant quelques instants, d'être en présence de quelqu'un qui nous a dit quelque chose ou qui simplement qui nous a montré quelque chose par sa présence, par son comportement, quelque chose qui a donné une nouvelle orientation à notre vie. Il y a des personnalités qui sont très riches et dès que l'on les contacte, dès que l'on a le privilège de passer un moment avec ces personnes, peut-être partager un repas, peut-être avoir un entretien, poser des questions ou simplement les observer, ces gens-là nous enrichissent. Mais réfléchissons un peu. S'il peut exister dans notre humanité marquée par le péché, s'il peut exister dans notre humanité des hommes qui nous marquent par leur personnalité, mais alors, comment se fait-il que la rencontre avec Dieu ne nous marque pas? Pourtant, la personne de Dieu, la personnalité de Dieu est bien plus grande, bien plus riche que tout ce que nous pouvons imaginer trouver chez un homme. Lui qui est à la source de toutes choses, lui qui est la plénitude de la sagesse, la plénitude de l'amour, lui qui est la plénitude de toutes choses, comment se fait-il que nous puissions être un moment dans sa présence, un moment de communion avec lui sans être enrichis? Comment rencontrons-nous Dieu? Certaines rencontres sont des révélations. Pourquoi chaque rencontre avec Dieu n'est-elle pas une révélation? Le pharisien montait au temple par habitude. C'était un habitué. Il n'attendait rien de nouveau. Il ne s'attendait à aucune découverte. Il savait si bien. Il connaissait tout ce qu'il allait trouver là-haut. Et puis il y avait le péager. Le péager aussi montait au temple. Et certainement que si un observateur avait été là, s'il avait pu voir ces deux hommes qui montaient au temple, quelle différence! Le péager monte dignement, la tête haute, regardant à gauche et à droite. Il est chez lui. Le péager, je l'imagine montant péniblement. Oh, comme ces marches qui montaient au temple, qui le conduisaient jusque là-haut, devaient être difficiles. Il faisait peut-être chaud. Il était peut-être fatigué. Mais
Ce n'est pas là la cause de ce cheminement difficile. Ce qui était difficile, c'était le fardeau qu'il portait. Il n'avait pas l'habitude de monter au temple. Il connaissait probablement le chemin, car chaque habitant de Jérusalem, chaque juif connaissait le chemin du temple. Même l'impie connaissait le chemin du temple. Cela faisait partie de la vie nationale. Mais il y avait si longtemps qu'il ne montait plus au temple. Il n'en avait pas le droit. Il était publicain. Il était un de ces êtres qui avaient délibérément choisi l'argent, le monde, plutôt que la vie religieuse. Et il avait été rejeté par son peuple parce qu'il était collaborateur des Romains, de l'occupant romain. Pas de place pour lui dans la synagogue, pas de place pour lui au temple. Et il s'était retiré. Il s'était retiré de la vie religieuse. Et le voici qui montait, maintenant il reprenait ce chemin. Oh, comme le chemin du retour est difficile. Comme le chemin du retour est pénible. Qu'est-ce qui a conduit cet homme à reprendre le chemin du temple? Que s'est-il passé dans sa vie? Certainement beaucoup de déceptions. Certainement beaucoup d'expériences négatives. Il y avait là tout un aboutissement. Il y avait certainement toute une crise qui était derrière, jusqu'à ce qu'il prenne enfin la décision. Eh bien, je vais me lever et je vais rentrer. Je vais retourner à la maison. À la maison du Père. Je veux monter au temple. Il est plus difficile à quelqu'un qui s'est détourné du Seigneur de revenir qu'à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de venir à lui pour la première fois. Et cette colline du temple était certainement bien raide à monter pour cet homme. Mais il vient, il monte, il poursuit cette ascension. Il veut rencontrer Dieu. Il va dans le lieu dont le prophète Agée, par l'inspiration du Saint-Esprit, a dit dans Agée 2, verset 9, « C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » C'est un homme qui cherche la paix. C'est un homme qui monte pour trouver la paix. Deux hommes montent au temple. Et les voici maintenant dans le temple, et nous avons devant nous deux hommes qui prient. Deux hommes prient. À nouveau, quelle différence? Quelle différence entre la prière de l'un et la prière de l'autre? Notre prière reflète la qualité de nos relations avec Dieu, comme notre langage, comme les paroles, reflètent la qualité de nos relations avec nos semblables. Nous pouvons entendre, sans le voir, qu'un homme s'adresse à un enfant rien que par son langage. On peut percevoir aussi, sans les voir et sans les connaître, si c'est un patron qui parle à son employé, un supérieur qui parle à un subordonné. Ça s'entend. Ça se voit aussi dans l'attitude de l'un et de l'autre. On peut aussi apprendre beaucoup de choses quant aux relations qui existent entre l'homme et la femme, tout simplement en écoutant ce qu'ils se disent et en observant comment ils se le disent. Le langage, notre langage, exprime ce que sont nos relations, ou plutôt quelle est notre attitude intérieure envers la personne à laquelle nous nous adressons. S'il y a de l'amour, s'il y a de l'estime, ou s'il y a du mépris, ou de l'indifférence, ou de l'agacement. Il en est de même de notre prière. Que disons-nous à Dieu? Quelles sont les paroles que nous employons pour parler à Dieu? Et comment parlons-nous à Dieu? Comment? D'égal à égal?
peut-être parfois même de supérieur à inférieur. Seigneur, fais ceci, fais cela. Seigneur, pourquoi n'as-tu pas fait? Pourquoi? Parce que ça ne va pas, je ne comprends pas. Ça ne peut pas continuer. Comment parlons-nous à Dieu? Comment sont nos prières? Deux hommes prient. Le pharisien prie. Et en lisant ce qu'il dit, nous constatons que ça commence bien. Ô Dieu, je te rends grâce. C'est comme ça que devrait commencer toute prière. Nous devons commencer par des actions de grâce. Là, il commence très bien. La prière qui commence par remercier le Seigneur. Nous avons toujours des raisons de remercier le Seigneur. Même si nous sommes dans les difficultés, même si nous sommes dans la souffrance, notre prière devrait commencer par les actions de grâce. Ô Dieu, je te rends grâce. Ah, s'il avait su s'arrêter là. Mais il a continué. Il a poursuivi et je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et voici un homme qui, tout à coup, un homme qui fait l'étalage de sa propre justice. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Quel étalage! Il faut reconnaître que c'était un homme de bien. Ce n'était pas un méchant homme. C'était un homme de bien. Le pharisien était l'élite religieuse d'Israël. Moral, honnête, religieux. C'était quelqu'un qui vraiment se distinguait des autres. Mais alors quand on se distingue des autres, comme la tentation est proche de dire « Ah, les autres, regardez comme ça va mal dans le monde, hein. Il n'y a plus de personnes honnêtes, il n'y a plus de jeunes qui sont honnêtes, il n'y a plus de commerçants honnêtes, il n'y a plus de patrons honnêtes, il n'y a plus d'ouvriers honnêtes, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, ils sont tous corrompus. » Ah mais ce genre de conversation se trouve chez les chrétiens. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que finalement, à force de mettre du noir partout, notre gris c'est du blanc. À force de montrer du doigt tout ce qui ne va pas, finalement, nous allons très bien. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et au fond, Seigneur, tu dois être bien content de m'avoir, parce que sans ça, la terre serait très triste. L'humanité serait très pauvre. Heureusement que je suis là. Heureusement que nous sommes là, les chrétiens, n'est-ce pas? L'étalage de sa propre justice. Il vient là pour s'étaler, pour s'exposer. Mais ce qui est bien plus dangereux encore, ce qui montre que dans cet homme, il n'y avait pas de l'innocence, ou même comme ce publicain. Bien sûr qu'il a vu cet homme qui était monté au temple avec lui, il l'a vu. Et en montant avec lui à ses côtés, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire? C'est pas sa place. C'est pas sa place. Le temple, c'est pour moi. Pour les gens comme moi. C'est pas pour lui. Ce publicain, c'est le mépris de l'autre. Ah, comme notre pharisien était aveugle. Il ne connaissait pas son propre cœur. Il n'a pas compris que notre cœur est tel que nous n'avons aucun droit de nous placer au-dessus de qui que ce soit, même de l'être le plus abject, de l'être le plus bas tombé. Nous n'avons pas le droit, parce que notre cœur est le même que celui de cet homme-là. Les circonstances n'ont pas permis que nous soyons comme lui. Nous avons eu la grâce d'être protégés, nous avons eu la grâce d'être arrêtés
à certains moments de notre vie, nous avons eu la grâce de connaître le Seigneur, mais notre cœur est le même. Je n'éprouve pour ma part aucune différence, aucune supériorité avec qui que ce soit qui vient me trouver et qui apporte des péchés qui sont parfois, aux yeux des hommes, très gros. Non, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous de la même nature. Ou même comme ce publicain, le mépris de l'autre, l'oubli de ce que nous sommes par nature. Même si nous n'avons pas fait ces choses-là, nous aurions pu les faire. Car nous ne sommes pas différents. Le pharisien priait, mais en réalité, il étalait sa propre justice. Écoutons maintenant la prière du publicain. Le publicain, verset 13, « Se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Le pharisien le publicain ne s'était pas avancé aussi loin que le pharisien. Le pharisien était chez lui, dans la maison de Dieu. Il oubliait même que c'était la maison de Dieu. Il était chez lui. Il s'est avancé. Le publicain est resté au fond. Il se tient à distance. Il est conscient de tout ce qui le sépare de Dieu. Il est conscient de son indignité de se trouver dans le lieu saint. Lui qui est un homme pécheur. Il sait qu'il est pécheur. Il vient ici dans ce lieu parce qu'il est pécheur. Pas parce qu'il est juste, mais parce qu'il est pécheur. Cet homme-là a la conviction du péché. Il sait qu'il est pécheur. Et nous trouvons déjà là le début de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ainsi que le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit commence toujours par nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit ne fera rien dans la vie d'un homme sans que le problème du péché soit réglé. Il faut d'abord que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que nous avons besoin de pardon. Et que ces choses-là soient réglées, soient mises en ordre avec Dieu. Que nous demandions pardon au Seigneur. Et alors, le Saint-Esprit poursuivra. Alors il accordera la nouvelle naissance, alors il viendra lui-même demeurer dans un homme. Mais le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est la conviction de péché. Et on peut dire que c'est aujourd'hui ce qui manque le plus. Il est assez rare de trouver quelqu'un qui soit vraiment saisi par la conviction de péché. Les gens sont prêts à accepter Jésus comme leur sauveur pour échapper à la perdition éternelle. Mais il n'y en a pas tellement qui viennent parce qu'ils sont écrasés par le poids de leur péché. Ça, c'est rare. On ne voit pas souvent des gens pleurer sur leur péché. Et il faut certainement prier dans ce sens. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, dit le péager. Il a besoin de pardon. Mais alors là, nous remarquons une chose. Nous remarquons une chose qui est étonnante et que Jésus ne souligne pas. Cet homme-là est venu au temple sans sacrifice. La loi de Moïse imposait aux pécheurs d'apporter un sacrifice. On ne se présentera pas devant Dieu les mains vides, dit la loi. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il ne pouvait y avoir de pardon dans le temple que si le sacrifice était apporté. Il n'est pas question de sacrifice ici. Cet homme est monté pour prier. Est-ce que c'est totalement contre la loi?
Nous avons un exemple célèbre, dans le psaume 51 avec David. Psaume 51, verset 19. Verset 18 déjà. « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Cet homme-là n'était pas venu par les chemins de la loi. Ce qu'il faisait n'était pas conforme. Et il arrive que nous aussi, nous ayons affaire à des gens qui viennent au Seigneur par des moyens qui ne sont pas conformes. Mais le Seigneur regarde au cœur. Et il a trouvé dans le cœur de cet homme quelque chose qu'il ne trouvait probablement pas beaucoup non plus à cette époque-là. C'était comme aujourd'hui, un cœur brisé et contrit. Il y avait certainement dans ce temple de Jérusalem bien des hommes qui apportaient des sacrifices. Mais le cœur n'y était pas. Et ici, il n'y avait pas de sacrifice, mais le cœur y était. Et cet homme-là a été mis au bénéfice du sacrifice le plus grand, du vrai sacrifice qui ôte le péché, c'est le sacrifice du Fils de Dieu qui meurt sur la croix pour nos péchés. Il a été mis au bénéfice de ce sacrifice parce qu'il a cru. Il a cru et il a été pardonné. Il avait un cœur brisé et contrit. Deux hommes sont montés au temple pour prier. Deux hommes ont prié au temple et deux hommes retournent maintenant chez eux. Oh, comment retournent-ils chez eux? Le pharisien reviendra demain. C'est son emploi du temps qu'il exige. Il n'a rien reçu. Je dirais même qu'il a un peu plus perdu. Car chaque occasion de rencontrer Dieu qui n'aboutit pas est une perte. Son cœur s'est encore un peu plus endurci là-haut, dans la maison de Dieu. Chaque culte où l'on ne reçoit rien, chaque participation au repas du Seigneur, où il n'y a pas vraiment la rencontre, nous prive de quelque chose, nous endurcit. Il reviendra demain et s'endurcira encore un peu plus. Il reviendra après-demain et son cœur deviendra encore plus dur. Et dans quelque temps, il criera « Crucifie, crucifie-le ». Cet homme qui a dit « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, ravisseur, injuste, adultère », deviendra meurtrier, meurtrier du Fils de Dieu. Il retourne chez lui. Le publicain rentre aussi chez lui. Mais le publicain rentre chez lui, c'est un homme différent. Un homme léger. Un homme nouveau. Il a rencontré Dieu. Ce n'est pas certain qu'il retournera demain au temple. Non, ce n'est pas certain. Peut-être. En tout cas, il y retournera plus souvent. Mais ce n'est pas certain qu'il sera un habitué du temple, et je ne le souhaite même pas qu'il devienne un habitué du temple. Il rentre chez lui, il a rencontré Dieu. Il est un homme nouveau. Comment allons-nous sortir ce matin de cette salle? Comme nous y sommes rentrés, plus riches, plus pauvres. Tout dépend de ce que, dans notre cœur, le Seigneur a pu trouver. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, verset 5, nous trouvons la condition que Dieu met pour se révéler aussi aux enfants de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si ce matin nous sommes venus avec un cœur contrit et brisé, même si nous ne sommes pas ces pécheurs inconvertis de la parabole. Mais connaissant notre cœur, nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Notre démarche doit toujours être une démarche d'humiliation quand nous nous approchons de Dieu.
N'oublions jamais que nous sommes pécheurs. N'oublions jamais que nous avons toujours besoin de pardon. N'oublions jamais que la condition de la bénédiction est l'humilité. Comment sommes-nous venus ici ce matin? Par habitude ou parce que nous avions besoin de rencontrer Dieu? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te connaissons peut-être depuis si longtemps que même pour prier, cela nous est facile. Cela nous est facile d'ouvrir la bouche et de dire quelques mots. Mais nous devons confesser que souvent le cœur n'y est pas, ou tout au moins nous n'avons pas cette préparation intérieure qui te permet de nous répondre et de nous rencontrer. Nous nous présentons devant toi en vêtements sales. Nous nous présentons devant toi avec un cœur qui est orgueilleux. Combien souvent nous nous privons de ce meilleur que tu voulais nous donner, que tu avais justement préparé pour nous. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier et à te rencontrer. Et nous voulons aussi ce matin prier pour tous nos frères et sœurs de l'Église qui ne sont pas là et qui sont en vacances ou bien qui ont un ministère à accomplir ce matin quelque part. Nous te demandons de les bénir. Nous te prions aussi pour les jeunes du camp. Nous te prions pour les responsables afin qu'ils portent leur responsabilité avec toi. Nous te prions pour les jeunes afin que leur cœur soit touché à salut et qu'ils rentrent chez eux transformés. Au nom de